Bonjour à tous et bienvenue dans ma morning. Je m'appelle Alison et j'habite en colocation avec Camille, c'est une fille super. Je me lève à 11h pétante et puis je scroll. Là, je fais mon lit. Ensuite, je vais faire caca. Hop là, donc moi je me fais tous les matins un jus, donc je mets des trucs dans mon mixeur, ce qui me permet de mixer les trucs. Ça me permet d'avoir une boisson à la fois dynamique et énergisante, ça me donne énormément de tonus tous les matins. Ouhou. Alors là je fais du yoga et j'attends que mes chakras soient bien ouverts. Vous savez, j'aime vraiment faire du sport parce qu'en fait j'adore aller au bout de moi-même chaque matin, c'est vraiment important pour... Oh, coucou Camille. Salut. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps et je me sens prête pour affronter les problèmes. Je retourne faire caca. Avant mon petit-déj, j'en profite pour stériliser ma moon cup parce que j'ai mes règles. Et du coup, dans un souci écologique de préservation de l'eau, j'en profite pour cuire un œuf que je mangerai pour le déjeuner. Et toujours dans un souci écologique de préservation de l'eau, j'utilise mon eau de cuisson pour infuser mon thé. C'est un petit thé aux fruits que j'adore. Le matin, j'aime bien manger et puis je pense que c'est important de manger pour remercier mon corps. J'offre à mon corps ce qu'il y a dehors pour lui mettre dedans. J'épluche une clémentine, je dépose du yaourt et je mets des petits flocons parce que je suis un petit peu gourmande. Et surtout, je poste toujours une petite photo pour mon Instagram, hashtag healthy choices. Waouh, c'est magnifique. Hop, dans la salle de bain, je commence toujours par m'enlever des petits points noirs. Je vais mettre du bicarbonate de soude, de l'argile blanche, comme ça je suis plus obligée de me laver les cheveux. Voilà. Je reprends le bicarbonate de soude, comme ça je suis plus obligée de me doucher tous les jours. Dans un souci écologique de préservation de l'eau, j'espace les douches, puisque de toute façon mon corps s'auto-wash. Je retourne faire caca. Alors là, il est temps pour moi de digérer mon petit déjeuner. Je me pose quelques heures et je pense. Et je retourne faire caca, mais cette fois je tire la chasse. Ensuite, je mets du vernis et puis j'attends qu'il sèche. La patience est mère de toutes les vertus. Maintenant, il est temps de travailler et de répondre à tous vos petits commentaires. C'est déjà l'heure de ma evening routine, alors je m'habille vite vite pour pas rater la fin de l'happy hour. Normalement, j'ai des très très beaux habits et tout, mais là, ils sont tous au sale, donc bon. Hein, d'habitude, je mets une jupe. Par contre, je mets toujours mon manteau oversize. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous fais un gros bisou et surtout, abonnez-vous!